Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Robocraft. Donc nous sommes dans la Ophiuchus Valley, GJ1214B, mode de jeu arène de combat. Nous sommes avec le Stardust Competitive, le même robot que nous avons utilisé dans la précédente vidéo. J'ai envie de le tester à fond, de voir si justement on peut se déplacer assez rapidement pour prendre les tours plutôt que de stagner sur une place. Ça m'intéresse de voir un petit peu tout ça. On va bien voir ce qu'on peut véritablement faire. Pour moi, il est quand même extrêmement impressionnant, ce robot. Puis on va parler aussi entre nous, hein, chers amis. Hein. Tiens, par exemple, aujourd'hui, j'ai reçu... donc, avec certains d'entre vous, j'ai pu parler de Vapote, hein, tout simplement sur Steam en chat. Hein. Et donc, du coup, j'aimerais retrouver la personne avec qui j'avais pu parler d'un Dripper Dragon Ball. Alors, dit comme ça peut vous sembler bizarre. Mais en fait, c'est un Dripper fait par Joytech, je crois. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un Dripper? Alors, à la base, un Dripper, c'est un système reconstructible. Ok. Hop, boom, bitch, get out the way. Oula. Bien, voir papa. Ok. Ok. Boum. Dommage. Ok, donc c'est un système reconstructif, c'est-à-dire qu'en fait on peut recréer, enfin préparer ses propres résistances, y insérer du coton, etc., etc., etc. Donc quelque chose d'assez intéressant en soi. Merde. Merde. Marcus, vise correctement. Hop. Dommage. Voilà. Quand tu vises correctement, Marcus, ça se passe mieux. Parfait. Raté! Ok. C'est-à-dire qu'on peut créer ses propres résistances, enfin les préparer, et ensuite bah, l'insérer dans le... Hop, l'insérer dans une partie particulière. Voilà. Merde, je suis mauvais. Putain, c'est quoi ce pilotage? Crac, voilà, non mais où? Ok. Boum. Bah alors, t'es trop mauvais. Et donc insérer sous coton et ensuite vaper. Le véritable souci, si je puis dire, de ce mode, de ce problème, enfin de ce système, pardon, c'est que... Oh, ce petit lag. Oh là là, c'est peut-être personne qui lag. Boum. C'est bête, hein. Tu voles encore? GG. Bonne construction, dis donc. Ok. Euh.
Voilà, aïe. Hop. Fuyons. François. François Fuyon. C'est pas ça. C'est pas son nom. Aïe. J'aurais pas réussi à l'abattre. Le seul souci, c'est qu'en fait, toutes les 2-3 vapes, 2-3 bouffées, vous êtes obligé de redémonter tout, ou en tout cas de remettre de liquide directement sur les résistances et le coton, parce qu'il n'y a pas de réservoir, ou en tout cas, il y a ce qu'on appelle une cuve dans laquelle on met en fait un maximum de coton pour s'assurer, bah écoutez, un minimum de. Oh bah merde! Voilà. Voilà. La queue, Marcus. Voilà, c'est bon. Ok. Et donc, pour s'assurer un maximum d'autonomie, entre guillemets, en termes de liquide. Malheureusement, très peu de ces... Hop, fuite. Très peu de ces, comment, de ces clients remiseurs, hein. On va appeler ça comme ça. De ces... Raté. Ne comporte de tank, et donc justement le Dragon Ball en comporte un, mais de manière intelligente, et du coup ça m'a véritablement surpris. Merde, ils sont à plusieurs. Oh non! Il m'a détruit, quel dommage. Bon, première mort, chers amis, première mort. Donc très peu de ces commandes, de ces clés remiseurs comportent des tanks. Et le Dragon Ball comporte un tank, ce qui est assez intéressant. Et en plus, il est bien construit, c'est-à-dire qu'en fait, on peut s'en servir de dripper, et donc avoir à remettre des gouttes en autant donc le capuchon, de, enfin le drip-tip, j'essaie de parler de manière à ce que tout le monde puisse comprendre, mais c'est compliqué. Entre guillemets, le tube de vape, entre guillemets, là où vous absorbez, ou là où vous aspirez la vapeur. Vous pouvez le retirer pour injecter directement des gouttes directement sur les résistances, ou alors ouvrir des petites. Ah, la chute était violente, hein. Ah, je suis vexé. Des petites vannes qui vont tout simplement alimenter votre coton directement, et je trouve ça hyper malin, en jus. Voilà. Crac. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Alors, mais c'est quoi ce bordel? Crac. Parfait, on l'a eu. Cool. Bon bah voilà, victoire. Victoire, victoire. Donc voilà, donc je trouve ça extrêmement pratique et extrêmement bien fait. Donc j'ai hâte de pouvoir le tester. Malheureusement, je peux pas le tester. J'ai pas ma box pour le moment. Je l'ai prêté à un ami. Du coup, voilà. C'est con parce que j'ai racheté du coton et du fil résistif avec. Du Clapton. Donc c'est pour ceux qui sont guitaristes, vous connaissez Clapton. C'est exactement comme un fil de guitare, c'est pour ça qu'ils ont appelé ça comme ça. C'est-à-dire que c'est un fil entouré autour d'un autre fil. Donc voilà. Donc oui, pour ceux que ça intéresse, je vape en sub-ohm. C'est-à-dire en dessous de 1 ohm en termes de résistance. Donc j'ai hâte de pouvoir le tester. Ok, donc ce robot est vraiment, vraiment, vraiment efficace, hein. Clairement, là, à contrario de celui-là, j'ai envie de retester celui-là. On va essayer d'avoir un maximum de maps sur lesquelles on va tester. Mais vraiment, vraiment bon, ce robot, hein.
Je vous le conseille, il coûte pas excessivement cher. En tout cas, moi, il m'a pas coûté excessivement cher, pardon. Donc voilà, essayez de le retrouver. Parce que le nom apparaît dans chacune des vidéos maintenant, directement dans le menu, vous savez, de chargement de la partie. Donc n'hésitez pas. D'ailleurs, à tous ceux qui me demandent quel est mon nom sur Robocraft ou le nom du clan, il apparaît dans chacune des vidéos, chers amis. Hein. Donc, je vais... Regardez, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Enfin bon. Alors d'ailleurs, maman, je vais t'en mettre deux Elite Dangerous si j'ai le temps. Il est. J'aimerais avoir fini avant 18h en fait. Gun build. Ah, moi ça me fait penser à un Gundam. Eh putain, j'aimerais tellement qu'il y ait un jeu Gundam. Avec le principe de Gundam Build Fighter, où vous créez vos propres robots. Il y aurait moyen. Il y aurait moyen, ce serait magique. Ça serait magique, j'adorerais. Ah là là. Déjà que j'hésite à m'acheter des maquettes. Des Gunpla, littéralement. Hein. Des Gundam en plastique. Mais bon. Est-ce que j'aurai le temps entre deux de... J'ai tellement peu de temps. Si, j'ai le temps pendant les montages. Il n'y a que pendant les montages que je fais autre chose, en fait, chers amis, moi. Vous voyez, là, en ce moment, je joue au fameux Yu-Gi-Oh! Duel Links, hein, qui est sorti il y a quelques... Oula! Ok. Ok. Où il est solide lui. Oula. J'ai plus mon... Si, j'ai plus d'énergie, c'est tout. Hop, fuite. Oh la vache, oui, ça c'est... J'ai fui au bon moment, on va dire. Hein. Crac, un petit peu de régène. Vas-y. Merci. Merde, j'ai pas le temps de le voir celui-là. Raté. J'ai pas eu le temps de l'achever non plus. Hop. Merde, j'ai la loupe. Oui. Allez. Allez. Oui. Oui. Dommage. Ok. Ce qui est cool, c'est que l'autre sniper ne me voit pas. Oh, voilà, merci. Crac. Ok. Dommage. Hop. Hop. J'ai cru voir un truc là-bas. Ok, j'ai les yeux qui piquent. A chaque fois que j'ouvre cette map-là, j'ai les yeux qui piquent. Spotted.
Allez, meurs. Ah merde. Voilà. Toi là-bas. Oh! C'est son bouclier qui a pris. Merde, j'ai loupé. Crac. J'ai loupé encore. Putain, j'ai loupé. Quel dommage. Quel dommage, quel dommage. Ok. Bien visé. Ok. Dommage. Ok. Bien joué. Merde. Ah, j'avais pas vu lui, bien joué. Mais il tire au pif ou c'est moi? Ah non, il était juste sur le bord, bien joué, bien joué, bien joué. Ah, je suis que niveau 8. Ah, je suis déçu. Ah bah GG, victoire, cool. Oh, je suis déçu, je suis que niveau 8. Je me disais aussi, je faisais pas énormément de dégâts. Enfin bon, c'est pas grave. J'aurais peut-être dû me concentrer un peu plus sur les tours, effectivement. C'est possible. Ok, bon. Encore une partie rondement menée. Nous sommes à 17 minutes. Est-ce que je repars sur une ou est-ce que je regarde si ce mec-là n'a pas fait d'autres constructions? Je serais curieux. Je serais curieux, je serais curieux, je serais curieux. Parce qu'un robot pareil, c'est vraiment très très bon. Paramètres, je peux pas les voir, non. Info, je peux pas les voir, oui je sais bien. Je sais bien, je sais bien. Merci à vous, chers amis. J'avais mis donc dans les snipes, on va aller voir dans les snipes. Crac. Y, J, d'accord, ok, on va aller voir. Ok, je me suis planté. Alors, apparemment, ouais. Il en a plein. D'accord. C'est que des snipes. Apparemment, c'est que des snipes, hein. Non. Apparemment, ce n'est que des snipes, c'est un peu dommage. Ok, bon, pourquoi pas. Ah, oui, non. Non, 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 d'accord, bon bah pourquoi pas. Ah oui, je suis con aussi, toutes les armes. Excuse-toi Marcus, excuse-toi, vous avez dû m'insulter dans les... ce que je comprendrais. Hein. Enfin, en même temps, vous me direz, il n'y a pas... Ah si, il y a celui-là en plus. Wait, what, it's not a rail, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Dustar, d'accord, c'est le même. Jack Edition, pourquoi pas.
Ok, c'est tout ce qu'il y avait. Ok, pourquoi pas. Bon, bah désolé, je suis. J'aurais préféré qu'il y en ait plus, tu vois. Là, pour le coup. Ok. I need money. I need the money. Give me the money. Est-ce qu'on a des trucs sympas à Hélice? D'accord. Ok. C'est intéressant. Il coûte cher, mais c'est intéressant. C'est extrêmement intéressant, celui-là. Ok. Just go. D'accord. GG, 15 000. Bah écoutez, on va le prendre, on va aller le tester vite fait en TDM. Enfin, en test. En test. Tester votre robot. Mais il coûte que 15 000, c'est juste pour voir, hein. Est-ce... Ouais. Ouais. Effectivement, ça lui fait une grosse charge de d'énergie derrière, mais... Oh, ce sera à tester, hein. Ce sera à tester, chers amis, on verra bien. Eh bien écoutez chers amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens et yo!